Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans votre vidéo qui parle d'amour au sens large du terme, c'est-à-dire pour un partenaire, vous-même, la vie, un membre de la famille, un ami. Vous avez cette fois un visuel sur les supports employés, alors sans qu'il soit limitatif. Et donc, sur les supports employés dont les noms et les références sont sous la vidéo. Les indications mai et juin 2020 sont indiquées à titre de repère seulement. Les influences peuvent aller bien plus loin. Peu importe le moment où vous prendrez connaissance du message à l'intérieur de la vidéo. C'est que c'est le bon moment pour avoir l'information. Aussi, ayez à l'esprit que c'est un tirage collectif. Recevez avec le cœur ce qui résonne en vous. Je vous souhaite une bonne écoute. Cher Verseau, bonjour, bienvenue. Alors, vous avez devant vous le visuel de votre tirage et maintenant je vous donne l'explication sur chaque point. Donc le point le plus haut, c'est la pensée. Juste en dessous, vous avez le présent. À gauche de ce point présent, vous avez le passé et à droite le futur. Juste en dessous du point présent, vous avez le point origine, que j'appelle aussi facteur caché. À gauche, le point que j'appelle position, donc la position que vous avez par rapport à la situation pour la période donnée. Et puis, à droite du point origine, c'est l'issue. L'issue que, de temps en temps, je fais le lien avec le point position pour terminer la vidéo. Voilà pour cette explication et je commence par la pensée. Donc votre pensée parle de solitude et de calme. Et en lien avec votre coupe que j'ai fait juste avant le tirage, où vous aviez les cartes isolement et doute, donc la carte numéro 2, la carte numéro 27. La carte doute était renversée. L'aspect de retrait, de prise de recul est confirmé. Avec quand même une grande activité, puisque vous avez besoin d'éclaircir votre situation concernant un lien affectif ou amoureux. Donc, ça peut concerner un partenaire, une personne de la famille ou un ami, en tout cas une personne proche. Et tout au long du tirage, bien sûr, il faut tenir compte de cela. Vous prenez simplement ce qui est en résonance avec vous. Alors le moral est un peu en baisse par rapport à tout ça. Donc j'arrive au point présent. Il plane un mystère autour de nouvelles ou d'une réponse que vous attendez. Obtenir un signe, quel qu'il soit, est très important. Vous peinez à obtenir quelque chose de fiable sur lequel fonder des certitudes de rapprochement, de renouvellement. Pour moi, c'est une personne que vous aviez perdue de vue ou que vous avez perdue de vue. On parle d'utilité, de vous manifester pour engager une action, bien que le résultat à ce niveau soit encore incertain. En tout cas, le désir est là et c'est un vrai rapprochement durable et stable que vous souhaitez donc. De toute façon, vous avez besoin de changement par rapport à cela. Dans le point passé, on voit que ce lien,
cette relation est déjà ancienne, que vous avez déjà fait une sorte de bilan. Il y a eu un éloignement géographique ou un déménagement pour des raisons peut-être professionnelles. À cette époque, il n'y avait plus ou très peu d'échanges de communication. On y parle beaucoup d'étrangers. Alors, il peut s'agir que cette personne vient d'un pays étranger ou vous arrivez d'un pays étranger. Je ressens beaucoup de mouvements. Donc, pour moi, il y a de l'instabilité à savoir où se poser pour construire sa vie, établir un point de ressourcement. Soit c'est vous ou l'autre personne. On est sûr de rien, de ce que l'on veut faire, de ce que l'on va faire, et il y a de l'impatience. Dans le point origine, ici on parle de circonstances pesantes avec des conséquences que vous pouvez difficilement modifier. Vous ne pouvez en tirer que de maigres conclusions, peu réjouissantes. D'ailleurs, on y parle d'influences néfastes contre lesquelles vous avez actuellement, vous devez, oui, vous méfier parce que l'environnement est peu sûr. On parle d'attachement, de dépendance, peut-être même d'emprise vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation. En tout cas, il y a une idée de manque de liberté. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Oui. Je réfléchissais encore à propos de ces cartes, mais oui, ça peut être vous ou l'autre personne, effectivement. Dans la partie future, les cartes décrivent effectivement une situation déstabilisante, insupportable dans un premier temps, puis une nette amélioration où on trouve la stabilité. C'est le début. La situation reste toutefois complexe. Pour améliorer la situation, il peut y avoir l'intervention d'un personnage masculin, mais ce peut aussi être vous, cher Verseau, qui interveniez avec plus de détermination et vous aurez ainsi plus de résultats positifs. Il ne faudra pas vous décourager. En ce qui concerne l'issue. À l'issue de cette période, pour ce tirage, vous serez dans une relation de confiance, en tout cas vécue comme telle, que ce soit d'ordre sentimental ou fraternel, ou familial. Mais la relation est fragile, ainsi que la façon de vivre cette relation en pleine confiance totale, en niant ce qui vous est désagréable, ou bien en étant très souvent suspicieux, incertain sur le devenir de la pérennité du lien que vous entretenez avec cette personne. Oui, je confirme, donc il y a une fragilité par rapport à cette relation finalement, parce que soit vous l'acceptez comme tel, mais bon, c'est quand même désagréable, puisque c'est difficile, hein,
il vous faut nier toute la partie qui vous est désagréable à vivre. Et d'un autre côté, c'est l'aspect incertain et incertitude sur la pérennité du lien malgré le prolongement et malgré votre décision de continuer. Alors, ensuite, je vous parle donc de la position. Votre choix pour le moment, c'est de vivre votre relation avec une grande ouverture de cœur et bienveillance, donc ce dont je viens de reparler, d'exprimer vos sentiments et de maintenir un lien d'échange le plus harmonieux possible. Cela même si vous n'avez en retour peu ou pas grand-chose. Ici, on en revient à ce que je disais donc au début. Intégrer une action plutôt que de ne rien faire. Voilà, cher Verseau, pour votre tirage. Et donc, si vous souhaitez une voyance personnalisée pour approfondir votre situation, je vous recommande de m'envoyer un mail à mon adresse jenny.voyance@hotmail.fr et donc vous recevrez votre résultat sous forme de mail ou si vous en faites la demande sur une petite vidéo. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.